Oui, je vous écoute. Oui, c'est le lycée. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, les entreprises Bioman à l'appareil. Oui. Nous avons un travail à faire sur la voiture de monsieur le proviseur. Hein? Simplement, on ne nous a pas dit, ce sont les élèves qui ont demandé, donc qui nous ont rempli ce bon de commande et qui nous ont demandé une opération à effectuer. Oui. Sur la voiture de monsieur le proviseur, mais nous ne connaissons pas sa voiture. De quoi s'agit-il? C'est pas une 305, je sais pas, moi. Mm-hmm. Vous pouvez pas rappeler demain, à ce moment-là, je vous la passerai. Ben non, parce que je vais vous dire, on a deux opérations à faire. Hein. Les élèves nous ont demandé de le faire d'ici demain matin. Donc on est assez pressé, on doit dégonfler les pneus de la voiture. Et donc tordre l'antenne de radio, je crois qu'il faut la tordre. Et malheureusement, on ne connaît pas la voiture. Alors on doit le faire d'ici demain matin à 8h, vous comprenez notre problème? Oui, alors attendez, quelle est la maison? Bioman. Attendez, la maison Bioman, attendez. B-I-O-M-A-N. B-I-O-M-A-N. Je suis monsieur Roger Force Rouge. Oui, Force Rouge. Comme Force Rouge. Hein. Ah bon, d'accord. Bon, écoutez, vous pouvez lui laisser un message? Oui. Alors dites-lui bien donc qu'on passera avant donc 8h demain matin. Ce sont les élèves donc de votre lycée qui nous ont demandé de faire ce travail. Mmh. Donc alors, on doit dégonfler les pneus, tordre l'antenne de radio, hein. Dégonfler les pneus et tordre l'antenne de radio. L'antenne de radio, donc. Oui. Et également, je crois qu'elle a un problème avec son pot d'échappement. Il faudrait qu'on le bouche, hein, je crois. Hein. Ah bon? Ah oui, oui. Mais vous refaites pas les carrosseries, des fois? Pourquoi? Vous avez un problème, vous? J'ai un petit problème, c'est juste sur le coin de l'aile. Au coin de l'aile, c'est tout. Bah, on va vous la défoncer tranquillement? En dessous le phare. D'accord, bah écoutez, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture? Une 104. Hein. Bon, bah écoutez, je vais en profiter pour vous faire ça gratuitement. Oh, c'est gentil, ça. C'est quelle aile? L'aile droite. D'accord, bah je vous la démolis. Ce qu'on va faire, on va vous donner un coup de masse et puis ça va aller. Oui. Hein? Avec un coup de masse, de toute manière, c'est une voiture qui a quel âge? Bon, elle a 3 ans. Ouais, bah on donne un coup de masse et puis ça ira. D'accord. Hein? Bon, on vous fera ça gratuitement. Bon, merci. Bah de rien, c'est pourquoi. Vous avez l'air d'avoir honte de me demander ça. Non, parce que vous savez, on ne trouve pas beaucoup de gens comme ça, comme vous, hein. C'est-à-dire? On est en service. Oui. Et alors? Je suis un peu touché. Pourquoi? Ce geste-là. Bon, vous rigolez, on va vous donner un coup de masse, ça va être vite fait. Vous inquiétez pas. Bon. Est-ce que vous avez des problèmes de pot d'échappement aussi ou pas? Non, je l'ai changé l'année dernière. Oui, ben on va vous le changer aussi, on va vous l'enlever, ça. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, vous m'avez dit? Une 104. Ouais, ben on va vous l'enlever. D'accord. Hein, vous n'avez pas de problème de direction? Non. Bon, vous en aurez. Ben écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci, pareillement. Donc, Et vous aussi. Vous m'avez dit qu'elle était où, votre voiture, à vous? À côté de la voiture du proviseur. D'accord, on s'en occupe. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.